Bon voilà, suivez-moi, je vais vous présenter l'extension. Attention à la porte, Sofio, bien sûr. Voilà, ici c'est la salle où on passe un peu de temps après les repas ou avant le déjeuner, avant les entraînements. Il y a une table de ping-pong, il y a un baby, il y a la play derrière. Le plus fort au ping-pong. Déjà le plus nul c'est Vital Ntsimba. Ceux qui sont à peu près à mon niveau, on va dire Johan Barbet et Gaëtan Poussin, mais ils ont encore des choses à revoir. Là, c'est là où on mange, où on déjeune et bonjour. Et on fait le repas le midi. Et voilà, il y a tout ce qu'il nous faut. Tu veux que je fasse aussi une présentation des plats? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Le club s'est doté d'un outil vraiment très performant parce que ça nous permet d'avoir encore plus de proximité. Tout est à côté du vestiaire et tout communique. Donc c'est intéressant, alors que ce soit en termes de cohésion parce que tout le monde est ensemble sur la salle de restauration, la salle de jeu. Et puis on a légèrement au-dessus, comme vous le voyez, donc la salle de presse. Je trouve que c'est important aussi pour accueillir les médias. On a une super terrasse qui donne sur les terrains. Donc ça a vraiment été bien pensé. Ça a été fait, à mon sens, avec beaucoup de professionnalisme. Ça prouve que le club continue à se structurer et puis continue surtout à mettre les joueurs dans de bonnes conditions.